Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce 10e épisode du Let's Play sur Sonic Unleashed. La dernière fois, on avait combattu le boss de Shunan, le Dark Gaia Phoenix. D'ailleurs, je l'ai refait de mon côté et j'ai une petite note S, donc ça fait bien plaisir. Et derrière, on avait commencé les étapes de jour de Spagonia, puisqu'à Spagonia, on avait fait les étapes de nuit, mais pas les étapes de jour. Donc on avait fait bien évidemment plutôt l'étape principale. Donc là, je vous propose qu'on se fasse tout de suite ramasser des rings à la vitesse maximum. Il va falloir qu'on ramasse les 200 rings, ça commence à faire pas mal, mais dans la même, donc du coup dans le même stage que l'étape de jour, mais avec un temps donné, et surtout que l'étape, il me semble, elle est... En fait, c'est un peu la même mission que Apotheos, finalement l'étape est plus courte. On va devoir ramasser les rings avant d'atteindre l'arrivée, autrement on va se retrouver devant un mur en mode « Ah bah merde, on n'a pas assez de rings ». Donc là par contre, un petit dérapage, on va essayer de bien le prendre. Allez, on a eu le maximum des rings, on va dire, hein. Même si vous l'avez pas vu. Alors là par contre, voilà, on va prendre des petits chemins qu'on n'avait pas forcément pris. Oh, nice. Bah, oh, attendez, il y a quoi là-haut? Oh, mais il y a des petits chemins secrets et tout. Mais c'est bien, c'est énorme ça. C'est vraiment énorme. Alors par contre, il a un peu du mal, on est... Ah, j'allais dire, qu'est-ce qu'il fait là? On est dans les escaliers, le mec a du mal. Mais vraiment, c'est nice, on a vraiment pris des chemins qu'on n'avait pas pris dans la mission de jour. Donc c'est assez intéressant. Par contre, derrière, est-ce qu'on va avoir les 200 rings nécessaires? On va voir ça. Oh, oh, très bien. Regardez, moi je commence bien, je me prends un robot et celui qui va dans tous les sens comme d'habitude, hein, vraiment. Est-ce qu'un jour vous pensez que j'arriverai à me faire aux touches, enfin non pas aux touches, à la synergie on va dire de Sonic? Alors là je vais pas faire la même erreur. Voilà. Voilà, ça je l'avais pas fait dans l'étape de jour, hein. Et pile, pile 200 gemmes, 200 gemmes, oh là là je suis encore sur du Lynx. 200 rings évidemment. Et donc on a eu pile les 200 rings, c'est bien ça. Parce que vous avez vu derrière il y avait la barrière qui te dit MDR, fait demi-tour. On a eu un fragment de tablette orné d'une pierre rouge. Et une nouvelle mission encore à Spagonia? Encore une nouvelle mission à Spagonia? Eh bien on va aller voir ce que c'est que ces missions à Spagonia d'ailleurs. Donc ouais, le mieux d'ailleurs qui dit MDR fait demi-tour quoi. Heureusement on a eu les 200 gemmes pile comme il faut. Et donc on va... Oh, un peu de texte. On l'a voyagé partout et pourtant personne ne me connaît. La prochaine destination c'est Shunan. Allons-y Sonic. Très bien, donc oui je vous avais dit derrière on va aller à Shunan pour faire les petites... étape de jour, mais d'abord j'ai envie de voir un peu ce qu'ils nous ont rajouté à Spagonia, parce qu'ils ont l'air de nous avoir rajouté des étapes de jour, des étapes de soleil. Donc on a saute sur les murs pour passer, atteint l'arrivée sans subir de dégâts. Alors les atteint l'arrivée sans subir de dégâts, j'aime pas trop, par contre saute sur les murs pour passer, j'ai bien envie de le faire, parce que ça m'intrigue. Parce qu'on a eu un petit passage où on devait faire à la Mario Bros un peu, on devait faire des sauts sur les murs et tout. Donc là, ils ont l'air d'avoir fait peut-être une mission uniquement pour ça. Ça serait bizarre. Ah mais oui, en fait, on se retrouve dans le passage. Sauf que sur les murs pour grimper tout en haut. Très bien, écoutez. Ouais, les wall jumps, c'est bon, on a connu. Bon, on dit comme un ninja en haut. Très bien. Ok. Bah ok. Ça c'est ce qu'on appelle dans le milieu les médailles de lune complètement gratos quoi. Non mais MDR quoi. Mais bon c'est très bien. Bon après le truc est dommage c'est qu'en fait il t'explique comment tu fais le wall jump alors que dans l'étape de jour de Spagonia tu as besoin de faire un wall jump. Ce qui est quand même relativement étrange. Et du coup on se retrouve avec une étoile, enfin avec 26 médailles de soleil et 25 médailles de lune. Mais je sais là ce que vous attendez avec impatience évidemment. Je vous ai parlé de l'étape de jour de Shunan. Bien évidemment qu'on va aller la faire. Mais d'abord il va falloir parler à quelques PNJ comme d'habitude, hein, pour récupérer la petite tablette ornée d'un fragment de je ne sais plus quoi là, pour pouvoir débloquer le temple. Alors du coup bah on va déjà aller au restaurant. Voilà. Je viens juste de manger justement au resto, mais on va y retourner. Super Sonic, merci d'avoir sauvé mon grand-père. J'étais vraiment inquiet et maintenant j'ai une faim de loup. J'ai peut-être quelque chose dans ma poche. Attends, qu'est-ce que c'est ce truc? Je ne peux pas manger ça. Tu peux le prendre. Qu'est-ce qu'il y a dans sa poche? Ah ok, donc le mec... le mec, il a un CD de musique dans sa poche. Il se balade avec son petit Walkman, tu sais, MDR. Et nous le donne, comme ça. Très bien, les petites musiques secrètes, hein. Ça fait toujours du pourcentage de progression dans le jeu, on va dire ça comme ça. Derrière l'herboristerie de la lanterne. J'avais jamais lu le nom. Bah c'est un peu bizarre.
Il n'y a personne. Allons voir ailleurs, Sonic. Très bien. Il n'y a personne. La voie fluviale. Petit fleuve qui traverse le village. C'est vrai que ça fait quand même complètement stylé. Hein. Tu mérites bien de te reposer après avoir sauvé le doyen. Le temple de Gaïa. J'ignorais que nous en avions un. Et pourtant, il est juste à la sortie du village, mon gars. Le doyen est le mieux placé pour t'en parler. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, le mec, il connaît pas le temple. Mais par contre, il sait que le doyen, il peut te parler du temple, tu vois. Genre, ça part loin. J'aimerais bien, par contre, aller à la porte. Eh oh. Le joystick est bugué. Joystick. Waouh. Voilà, la porte arrière. Porte arrière qui est juste à côté du temple. Je ne sais comment t'exprimer ma gratitude. Je t'en suis vraiment très reconnaissant. Et je te remercie de tout mon cœur. J'ai confié à Raline quelque chose que tu cherches. Elle est assise sur un banc un peu plus loin dans la rue. Un banc, bien sûr, qui n'était pas apparu. Voilà, le petit banc public. Avec... je sais pas comment ça se prononce. Raline. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Vous êtes trop géniaux. Non seulement vous avez sauvé le doyen, mais en plus, vous allez reformer le monde. Un bien grand monde. Oh, j'allais oublier. Le doyen m'a donné quelque chose pour vous. Ça a beaucoup de valeur, mais je crois qu'on peut vous faire confiance. Donc évidemment, il nous donne à chaque fois les trucs qui ont le plus de valeur dans ce village. La pierre de soleil ornée d'une pierre je ne sais pas quoi. Parce que je n'arrive jamais à lire, parce que je passe trop vite, parce que je mâche la touche X. Parce que les dialogues sont toujours un peu les mêmes, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début. Du coup, le temple sacré de Shundan, toujours avec son environnement complètement stylé. Et donc la porte, normalement, de soleil qui devrait être illuminée. Illuminée, parce que j'ai envie de moucher. Illuminée. Et donc, un petit coup de mouchage, n'est-ce pas? Et avant de commencer cette petite étape de jour de Shundan, qui va donc, je vous le dis, hein, je l'ai déjà testé cette petite étape, je vous l'avoue, dans une précédente session de tournage. Et clairement, sans vouloir dire des choses, hein, elle est vraiment dure, vraiment, je vous le jure, hein. Vous allez voir ça, on a pas mal de trucs assez compliqués, par contre elle est complètement stylée, ça c'est clair et net, je veux dire entre l'étape de Holoska et l'étape de Shundan, il y a vraiment du level, on est donc sur la route du dragon, et vous voyez pour avoir le S c'est 3 minutes 10, hein. Elle est super longue l'étape, alors du coup là je vais essayer de pas trop me foirer, mais le truc qui est sympa dans cette étape, c'est qu'on a un peu des... On va des rider sur des passes et sur des plans d'eau. Un peu à la Sonic Rider, je sais pas si vous en souvenez. Sur... Oh, j'ai raté le truc, très bien. Sur PSP, il me semble, c'était sur PS2, Sonic Rider, je m'en rappelle plus. Donc c'était un peu des passages complètement stylés. Et donc là, on va en avoir un peu dans ce truc. Donc l'étape va partir absolument dans tous les sens. Mais là, on a l'air d'avoir pris le petit chemin... on va partir sur les toits. Les petits toits des petites habitations chinoises. Et donc là, clairement, on va essayer de pas trop se foirer. Là, ça c'est une petite pas rapide. Oh, on l'a comme on l'a évité quoi. Par contre, il y a un petit passage, c'est un peu dommage. Du coup, j'ai raté le petit passage. Oh. Ah, ok, bon, très bien. Du coup, je me suis pris le mur. On va essayer d'aller à fond. Parce que 3 minutes 10, en vrai, ça passe extrêmement vite. Et pourquoi pas, je vous dis. Si, moi, franchement, si j'arrive à faire un S sur cette mission là, je pense que je pète un câble, vraiment. Oula, par contre, ouais, on aurait pu sortir du. Vous avez vu, on aurait pu sortir du plan là. Ça aurait été dommage. Parce que tu vois, dans l'eau, en fait, si tu perds de la vitesse dans l'eau, bah tu te noies. Tu te noies, ce qui est, on va dire, normal, vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Là, par contre, on va essayer d'aller prendre les petits passages complètement stylés ici. Ah, on n'a pas eu ça. Ouais, là, je préférais prendre un peu de vitesse, parce qu'on sait jamais, hein, je vous le dis. Se noyer, et c'est la défaite. Un petit passage en 2D. 1 minute 18. Oh, nice, ça. Alors, attendez. Allez, ça, c'est bien, ça. On a réussi déjà à prendre ce petit passage. Le wall jump, hein, évidemment, on vient juste de l'apprendre. Le petit jump. Par contre là il y a un petit passage un peu fourbe bientôt où il va falloir aller appuyer sur des touches. Ah bah voilà, bah par exemple vous voyez je l'ai raté. Vous voyez c'est court hein, ce truc hein, vraiment on a des. Ah très bien. Très très bien, il a raté le petit truc le. Comment on appelle ça? Je sais pas, j'appelle ça un petit grappin. Petit grappine. Donc là c'est vraiment le moment de si tu dis ouais MDR mais les constructions qu'ils ont quoi, c'est vraiment fou. Alors là faut pas que je le tente parce qu'en fait à chaque fois je tentais et je mourais à cet endroit là. Parce qu'en fait t'arrives dans l'eau après, c'est que c'est pas fou on va pas se mentir. On revient un peu en 3D. Et là par contre un peu de passage de l'eau. Ok, ça s'est passé. Oh oui je me rappelais plus de ça, des javelots. Parce que les mecs ils sont comme ça, ils en ont rien à foutre. Ils te passent carrément des javelots. Allez moi ça. Et si tu te prends un bien évidemment tu perds des rien hein. Clairement tu te prends un peu la lame et il y a des mecs qui t'électrocutent dans l'eau aussi hein. Ah je vous dis non mais les chinois ils sont hardcore les gars. Voilà, déjà on s'est pris le truc.
Genre les mecs, les chevaux ils sont hardcore, hein. Ils te foutent des coups de javelot dans la gueule, tu sais. Ah, j'ai raté le petit passage sur la grotte, c'est pas grave. Alors, le petit wall jump, pas le wall jump, le pas rapide. Le side step, on va dire ça. Alors, ok, ça c'est évité, ça c'est très bien. Alors, ça c'est un petit passage, je mourrais beaucoup. Parce que clairement, des fois, Sonic il n'allait pas du tout là où il fallait. Donc, écoutez, hein. Mais bon, là visiblement, on a réussi à le passer derrière. On va essayer d'apprendre le petit truc. Alors voilà, ça vous voyez ça, je suis beaucoup mort aussi. Hein. Cette étape m'a beaucoup fait rager, je me suis beaucoup mort aussi également. Parce que à cet endroit-là, vous l'avez vu avec le petit truc de. Ok, donc là j'ai bien fait de faire ça, parce que bon, il y avait un petit truc pour se rattraper, vous l'avez vu. Et vous voyez, on a déjà plus le A là, hein, clairement. On a déjà plus le S, je veux dire. Ouais, alors là, là c'est un moment, clairement. On va passer dans l'eau. Donc il va falloir aller masse vite, hein, clairement. Ah, et c'est bon, c'est passé. Et j'ai réussi l'étape, et j'ai eu un A, et je suis très content, parce que cette étape, mais vraiment, je vous jure, elle m'avait fait rager. Alors, je suis désolé de pas l'avoir découvert en même temps que vous, mais vraiment, elle m'avait fait rager. En fait, j'avais arrêté l'enregistrement, et il y a un épisode, du coup, j'étais en mode, mais vas-y, fuck la police, j'arrête l'enregistrement, parce que j'avais essayé 5-6 fois, et j'étais mort à chaque fois, à un endroit complètement débile. Là, vous voyez, hein, 2-3 jours plus tard, j'ai réussi à la faire, et j'ai eu un A, et par contre, franchement, le S, je pense qu'il fallait prendre le petit passage avec la grotte, éventuellement, pour avoir un S, sans doute. Sans doute, en tout cas je suis très content de l'avoir réussi. On va bien sûr continuer la partie, parce que derrière, parce que oui, derrière je sais ce qu'il y a. Et on va rager. Non, c'est ça, on va pas rager ça. Mais derrière il y a encore un truc qu'on va rager, je vous jure. C'est un truc, vous allez voir, c'est vraiment, c'est complètement tordu, hein. Donc là par contre on a encore la même mission qu'avec Spagonia et Apotos. Alors par contre j'aurais pas le rater. Ok, parce qu'on peut avoir Max Ring si on le rate pas, donc voilà, on va bien sûr avoir tous les rings. Et là, c'est des rings complètement gratos, hein, ceux-là. Hein. Voilà, regardez-moi le nombre de rings qu'on a eu rien qu'avec ça, quoi. Voilà, clairement, on est déjà à une centaine de rings. Ah ouais, en fait, je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais, très bien. Très, très bien. Oh non, j'ai pas pu les avoir, dommage. Dommage. Espérons que ça portera pas trop préjudice, hein, parce que vous avez vu, il y avait plein de rings derrière. Mais là, on en a tellement que je pense que ça va être nice, en fait. Ouais. Ok, donc là, on part dans l'autre sens. Et là, techniquement, dans l'autre sens, voilà, un petit ressort. Les 5 rings qui font plaisir, et derrière, ça va être nickel. Voilà, 200 rings. Encore une fois. C'est bien, cette mission-là, en vrai, parce que même si tu te trompes de chemin, enfin, même si t'arrives pas à aller à un chemin, tel ou tel chemin, et ben, en fait, t'arrives quand même à avoir les rings. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Et par contre, derrière... derrière, c'est un truc qui fait bien rager. Voilà. Je vais vous laisser l'intitulé de la mission pour que vous puissiez bien vous rendre compte de comment ça va me faire rager ce truc et comment ça va vous faire rager. Mais cette fois, je vais vous laisser. Regardez bien le titre du truc. Atteint l'arrivée en évitant les pots. Et là, vous dites, oh bah ça va. Mais vous allez voir le nombre de pots qu'il y a, c'est hardcore. Et il y a des pots dans des virages. Et il y a voilà, c'est trop chiant. Vraiment. Parce que clairement, je pense que c'est celle-là où j'ai le plus rager, clairement. Parce que vraiment, je la trouve dure. Hein. C'est la mission, je la trouve extrêmement dure. Clairement. En plus, je mourrai à cet endroit-là, en fait, à chaque fois. Donc tu vois. Alors là, par exemple, bah, il va falloir freiner. Parce que tu vois, t'as des trucs qui te lancent des trucs, de base. Et t'as encore plein de trucs. Et sachant que Sonic est très incontrôlable. C'est bien très vite compliqué. Là il y a des pots là, ouais effectivement il y a encore des pots une fois ici. Voilà, donc là pour l'instant ça se passe bien. Mais je suis jamais allé plus loin que là. Donc maintenant c'est totale découverte. Voilà, c'est vrai qu'il y a ça. Ça c'est fou parce que tu vois il apparaît au dernier moment en vrai. Oh il va trop vite. Donc là normalement il faudrait faire plein de trous. Ouais, j'allais tout droit. Oh mais pourquoi j'ai ragé à cette mission là? Elle était trop facile. Et moi j'ai mis 600 ans. Waouh! Bon bah écoutez, vous voyez la dernière fois j'avais fait que des. Genre j'avais fait que de la merde, tu vois, j'avais vu des mauvaises notes et quoi. En fait je pense que j'étais pas dans un bon jour, parce que là c'était trop facile la mission. J'ai honte, parce que c'était trop facile. Peut-être une cinématique, peut-être. Ah non, pas de cinématique. Non mais c'était trop facile, mais what the fuck? Très bien. Bah écoutez, vous oubliez ce que j'ai dit, hein, c'est trop facile en fait. Hein. Hey Sonic, quelle aventure hein! Nous avons ramassé d'autres fragments de la tablette. Allons donc voir le professeur. Donc écoutez, eh bien, on va aller voir le professeur, hein, du coup. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui ont fait le jeu, qui ont dû bien se marier quand j'étais en mode là. Oh putain, les gars, c'est trop difficile, on va trop rager. Ouais, ils étaient en mode, mais MDR, mais c'est trop simple, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, ouais, eh bien, écoutez, j'étais pas dans un si bon jour comme ça. Par contre,
vu qu'on a pas mal avancé, je pense qu'on va apprendre encore pas mal d'informations. Et du coup, on a réussi Shunan. Donc peut-être qu'on pourra découvrir d'autres villes, parce qu'évidemment, il y en a encore quelques-unes de villes qu'on n'a pas encore découvert dans ce jeu. Ah, je t'attendais, Sonic. Félicitations, tu as réussi à récupérer tous les fragments de la tablette. N'avons pas de temps à perdre, pas à ouvrir la porte. Oh, et n'oublie pas de parler à Otto, il pourra t'aider. Ça m'a fait un choc d'apprendre qu'Otto est un gardien, après toutes ces années. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné envie de faire carrière dans la recherche. Comme quoi, l'amitié peut influencer une vie. Allez, va voir Otto. Je me demande qui a eu l'idée d'utiliser des tablettes comme des clés astucieux. Ah non, comme des clés, virgule, astucieux. Donc, rue de l'Aqueduc. Alors, je sais pas où il veut qu'on aille également. Rue de l'Aqueduc, vu qu'il y a écrit nouveau. Ah, mais oui, Otto, c'est lui. Donc, c'est le vieillard de Spagonia qui est donc le gardien. Ok, je pensais qu'il parlait d'un Inuit de Holoska. J'étais en mode, mais MDR, d'où il connaît les mecs de Holoska, quoi, tu sais. J'imagine que le professeur vous a tout dit sur les tablettes, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous prie de me donner les fragments de la tablette. J'appuie par ici, je pousse par là, voilà. La tablette qui ouvre la porte du temple. Donc du coup, on va pouvoir, je pense... Du coup, on a la tablette du deuxième continent. Et donc, on va pouvoir donc reformer le deuxième continent. Et donc, maintenant, on aura le premier, le deuxième et le troisième qui sont complétés. Donc c'est nice, on avance pareil dans l'aventure, en vrai. Hein. Mais d'abord, on va d'abord se rendre au temple parce qu'il y a toujours une petite cinématique qui fait bien plaisir lorsqu'on ouvre une porte. Alors du coup, oh mais attendez, c'est celle-là? Oh, c'est donc un boss qu'on va devoir faire? Ça, il me semble que c'est un boss, hein. Clairement. On va aller un peu se balader, parce qu'en vrai, comme il parlait pas d'un boss, je me demande bien ce que ça peut être. Alors, attendez. Ouais, là où il y a des petites portes et tout. Là ici, de l'autre côté. Ok, bah écoutez, je pense, il me semble, hein, vraiment, je suis vraiment pas sûr, mais il me semble que ces portes-là, les portes avec des étoiles, ce sont des boss. Donc on va peut-être avoir du coup, après le boss de Shunan, le boss de Spagonia. Et oui, le boss de Spagonia. Et je ne me rappelle absolument plus de ce... Oh attends. Oh, il ressemble un peu... Vessus Egg Devil Prey. Très bien. Alors, ok, un rayon laser. Ok. Ah, j'ai pas vu. Ok, alors, clairement... Ah non, les rings. Ah, oh, j'ai pas vu les rings, je vais mourir. Ah non, mais attends, ils sont... Mais les rings, en fait, je les vois jamais. Allez. Ah, des rings, vite. Ouf. Très bien, ok. Ok, je suppose... Ah, je peux pas pour l'instant... J'ai pas assez de rings pour... Ok, pour l'instant, je sais pas vraiment comment l'attaquer. Parce que je n'ai pas l'air de pouvoir attaquer. Ok, donc il suffit juste d'avoir des rings et tout simplement d'aller attaquer. C'est bien. Moi j'ai compris le mécanique du boss. Alors par contre, j'aurai tous les rings, je vous dis. Hein, quand je vous dis Sonic incontrôlable, hein, je ne mens jamais. Ah mais attends, on l'a pas déjà fait ce boss là? Ah non. Oh, très bien. Ah oui, puis ça tourne. Ok. Ok, donc celui-là faut pas se le prendre. Ok. Ça pour l'instant ça va assez facile. Par contre, il faut qu'on se rapproche de lui, j'imagine. Voilà, faut qu'on se rapproche de lui, donc faut bien qu'on le tape. Ok, c'est bon, je pense qu'on a compris un peu comment le boss fonctionnait maintenant. C'est bon, tu mets toujours 600 ans à comprendre comment le boss fonctionne, c'est énorme. Ah non, on pouvait pas. Non, non, arrête de courir. Ok. Ok, donc je pense, de toute façon, on va forcément y avoir beaucoup plus de lasers. Hein. Forcément, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, c'est sur le côté là-bas. Ok, si on l'évite également. Je vais prendre quand même des... Ah, j'ai pas pu prendre des rings. Le problème, c'est que les rings, tu vois, en fait, ils sont jaunes sur... Ok. Ah, mais non, oui, ok. Bon, c'est bon, en fait, du coup, j'avais un peu anticipé le truc, mais du coup, il a un petit bouclier. Et genre, faut qu'on attende que le bouclier soit enlevé pour pouvoir l'attaquer, très bien. Oh, j'ai utilisé un petit boost pour rien, ok. Donc là, faut juste qu'on se rapproche. Alors, les rings. Dans quel sens? Ok. Donc, forcément... Oh, je me suis pris. Ok, c'est bien ça. Alors, il nous reste pas très longtemps, hein, avant. Il nous reste une minute et quelques. Une minute quarante avant qu'on puisse avoir le S. Est-ce qu'on va réussir à avoir le S? Donc non, forcément, faut que j'arrête de faire ça. Attendez, parce que du coup, là, on a des trucs à éviter également. Ok. J'aime bien ce genre de petit mini-jeu, hein, vraiment, donc ça va aller, je pense. On va dire ça comme ça. Oh, attendez. Ouais. Quoi? Mais j'étais sûr que j'étais pas... Ah, franchement, là, hein, les gars, clairement, je suis choqué. Hein. Choqué et déçu. Parce que vraiment... Ouais. Ouais.
Ok, c'est bon. On a réussi à lui toucher encore une fois. Je pense qu'il va falloir encore une petite phase comme ça, là, en mode 3D. Des phases que j'appelle en 3D, 2D, bien évidemment. Et après, je pense qu'il va falloir encore une phase... Alors, attendez. Ok. Finalement, tant que tu restes au milieu, c'est nice, en fait. Genre, tu vois. Ouais. J'ai pas ramassé de ring. Pas grave. Ok. Pour l'instant, ça, ça va. Allez, ça, c'est bien, ça. Du coup, je pense qu'il y aura la dernière phase, peut-être. Éventuellement. Toujours pas. Toujours pas. Ok. Ah, si, quand même. Alors là, par contre, je pense que ça va être bien plus chaud, hein, je pense, hein, clairement. Il va nous mettre, genre... Ouais. 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 Non, mais je voulais... J'étais sûr que je pouvais... Allez. Ah, je peux pas encore. Ouais. Ok, j'ai rien de taper en fait, mais je peux pas le taper. Donc écoutez, je suis en mode MDR. Ah, attendez, j'ai compris. Non, mais je suis en train de décéder. J'ai compris comment fallait faire, vous inquiétez pas. En fait, faut taper ce truc là. Mais j'ai sauté. Oh là, je comprends plus du coup. Ouais. Ouais. Mais en fait, j'appuie sur le petit bouton en fait, vous voyez là, le petit truc là pour aller taper, mais... Mais regardez, à chaque fois j'appuie dessus, ça marche pas. Ça marche pas. Je suis complètement décédé là. Mais en fait, tiens, regardez, j'appuie dessus. Mais voilà, mais mec, t'as mis 600 ans avant de taper dessus, quoi. MDR. Mais alors là, les gars, j'ai rien compris. Alors là, j'ai rien compris. Parce que vraiment, le truc n'a jamais voulu taper. Du coup, je vais faire la pire... Le pire truc qu'il y a eu, quoi. Le pire truc. Vraiment, le truc n'a jamais voulu taper. J'étais en train de... Je sais pas si vous avez entendu, hein. J'étais en train de mâcher la touche croix. Mais sauf que, mais je me prends les pires trucs, quoi. Mais genre, vraiment, ça ne voulait absolument pas. Donc je suis un peu la déception, parce que les potes, j'arrive pas à vous les faire comme il faut. Donc je suis un peu la déception, hein, vraiment. En fait, à chaque fois, les boss, j'arrive à les faire en S, bah, au deuxième essai. Au deuxième essai, je voulais faire en S, easy. Par contre, premier essai, vraiment, insane, quoi. Insane. Bon, on aura quand même réussi, même si on va se le refaire, je pense. Peut-être pas maintenant, quand même. Si on se le refait, on va voir. On va voir sa petite thématique après. Donc reformer le deuxième continent, ce qui nous fait donc une planète qui commence à potentiellement ressembler à quelque chose. Peut-être que le professeur Pickup nous a trouvé une autre destination. Il est temps d'aller au labo pour lui parler, Sonic. Eh bien écoutez, allons parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu peux désormais choisir entre le jour et la nuit. Parle à différentes personnes à différents moments. Ok, on peut choisir. Comment on fait? Ah, changer ses triangles, ok. Donc si on change... On fend en vain parce que j'ai bien zoté très bien. C'est pas mal ça, pour se mettre des petites ambiances ou quoi. Ah Sonic, tu tombes à pic. Des recherches plus approfondies sur les manuscrits de Gaïa ont été fructueuses. Ta prochaine destination est la région glaciaire d'Oloska. Pour plus de détails, parle donc avec la population locale. On a tous hâte que tu reviennes avec de bonnes nouvelles, Sonic. Ok, donc on va donc partir à Oloska, je pense, pour les étapes... de nuit, donc on fera ça bien évidemment dans le prochain épisode. Et moi, bah écoutez, hein, pendant que je vous laisse, bah je vais aller me refaire le petit boss, hein, parce que je sais pas pourquoi j'arrive, les boss, quand je suis en vidéo la première fois, à chaque fois je les foire, mais d'une façon, mais genre vraiment c'est nawak quoi. Et là, à chaque fois je tente le deuxième essai, ça passe beaucoup mieux tout de suite. Bon, c'est parce que je connais la mécanique, tu vois. Alors là, par contre, le petit moment où j'ai bien fait, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris comment ça se fait que je n'ai pas réussi à taper alors que j'étais en train de mâcher ma touche comme un gros bâtard, mais la touche ne voulait pas marcher. Donc, avec Devil Ray, cette fois, j'ai pas pris de ring évidemment,
Mais donc cette fois, par contre, tu ne me la feras pas. Ouais. Voilà, hein, on va prendre Searing dès le départ. Hein. Vous n'avez rien vu, hein. C'était... Non, donc là, vous êtes au deuxième essai, évidemment. Mais pas au premier essai, hein. Voilà. Là, par contre, j'aurais préféré ne l'avoir jamais filmé, ça, clairement. Clairement, hein, mais bon, c'est pas grave. On va quand même, du coup, se prendre le S, hein. Rien à foutre, là. Heureusement, le temps s'est remis à... Ah, mais il veut pas. Ah, mais je l'ai pas de... Ah, je l'ai pas de côté. Faut vraiment que j'utilise... Ouais, vraiment que j'utilise pas de côté, hein. Donc là, on sait, de toute façon, on sait comment ça marche. Et cette fois-ci, tu ne vas pas bugger, j'espère. Je sais pas si c'était un bug ou quoi, hein. C'était sans doute pas un bug, hein. Ouais. Tu vois, c'est à ce moment-là, en fait. Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'avais complètement foiré la dernière fois. Je sautais un tout... J'appuyais sur... sur croix un tout petit peu trop vite. Et genre, c'est ça qui m'a porté bien préjudice comme il faut. Ouais. Moi, j'attends juste que tu te mettes en mode, je peux te taper, hein, c'est tout. Ouais. Plus de bouclier. Ah, si, encore bouclier. Mais ce passage-là, il est vraiment nul, en fait. Ça sert à rien, clairement. Voilà, donc ça, c'est fait, déjà de base. Par contre, il ressemble à quoi, en vrai, ce truc? Il ressemble à un... Il ressemble à quoi? Je sais pas à quoi il ressemble. Ouais, je sais pas. Alors, c'est reparti pour un tour. Ok. On va passer ça tranquille. Ouais, en fait, tu vois, c'est à ce moment-là, tu vois. Genre, le truc apparaît. Et genre... Oh, lol. Et genre, en fait, tu vois, le truc apparaît. Et genre, à ce moment-là... Et bah, bizarrement, il veut plus. Donc, je suis en mode un peu déçu, tu vois. Clairement. Mais à ce moment-là, le truc ne veut plus apparaître. Ok, donc là... Recule un peu. Voilà. Ça va, ça c'est... J'aime bien ce petit passage-là, est plutôt intéressant, je trouve. En vrai, hein, clairement. Ok. Donc derrière, est-ce que je peux le taper derrière? Moi, je peux pas taper. Ok, donc là... Ah oui, dans un virage. J'avoue que c'est un peu plus chaud dans un virage. Donc là, on peut le taper. Ok. Allez, il reste plus beaucoup de temps. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais pas grave. Donc, du coup, là, c'est encore une fois les rayons, bien évidemment. Voilà, il bouge un peu, il fait un peu des tight-step, tout ça. Faut que ça ne marche pas avec moi. Ok. Là, on y va. Un petit coup, et là, je crois qu'il lui reste un dernier coup, il me semble. Ou un avant-dernier, enfin, c'était le passage où on avait mis 600 ans, là. Clairement, là, à ce moment-là. Non, parce que c'était pas encore là. Si, c'était encore. C'était là. Ok, le passage qu'on met 600 ans. Ah bah, cette fois-ci, on va pas mettre 600 ans. Clairement. Voilà. Ouais, ça va vite, tout ça. Ouais, tout ça. Ouais. Et là, on va attendre. C'est pas grave. On y va. On va profiter de l'invincibilité qu'on a pour y aller. Alors là, par contre, ne mets pas trop vite. Il va rien avoir le S. Allez. Tu peux le faire, petit boss. Je suis sûr qu'il va mettre 600 ans. C'est pas grave. On a encore un peu de ring, donc y'a pas de problème. Ok. Mais pas trop longtemps, please. Allez. Non, pas encore un passage. Ah, ça va être chaud. Oh! Oui! S, c'est le S. Nice. Voilà, c'est très bien, ça. Le petit S. Même si j'ai perdu une vie. Ça, on l'oubliera, hein. C'était le petit truc au début, voilà, j'étais pas concentré, tout ça, voilà. Donc voilà, quand je suis en mode, oh bah c'est un petit bonus, je parle moins, en fait ça marche beaucoup mieux, vous voyez, le mec il se cherche beaucoup trop d'excuses, donc au moins on aura la médaille de lune de ce boss, parce qu'on l'avait pas, hein. Forcément si on avait un vieux, c'est tout pourri, il donne pas de médaille le jeu, hein. C'est-à-dire, c'était une grosse merde, le jeu n'a pas arrivé, je te donne une médaille ou quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce 10e épisode, la prochaine fois on se retrouve donc à Oloska, sans doute pour les étapes de nuit, puis il y aura sans doute également un boss à Oloska. En tout cas, c'est tout le monde, et à la prochaine.